Quand vient l'heure d'aller dormir, si vous êtes parent, vous savez très bien que vous n'échapperez pas à l'histoire du soir. Petit et grand réclament l'histoire du soir. Si l'histoire du soir est tant appréciée par les enfants, ce n'est pas pour rien et on va voir ça ensemble. 1. L'histoire du soir permet de créer un lien, un moment privilégié entre l'enfant et le parent. 2. Ce rituel est aussi un moment de détente qui permet à l'enfant de se confier, de raconter sa journée à son parent avant d'entamer l'histoire du soir. 3. L'histoire du soir calme l'enfant. 4. L'histoire du soir fait travailler l'imagination de l'enfant parce que, au fur et à mesure de l'histoire, il va s'imaginer les images dans sa tête. 5. Il favorise l'endormissement parce que, à s'imaginer l'histoire dans sa tête, à s'inventer des images, il y a un côté hypnotique justement, qui favorise l'endormissement. À quel âge commencer ce rituel d'histoire du soir et peut-on aborder des choses négatives dans ces histoires? Je vous réponds en premier commentaire et je vous laisse aussi me dire si vous êtes team histoire du soir ou pas du tout.